Regardez ce suceur là-bas. Là. Vous savez, pense à quoi là? Il pense à mettre chaud. Alors, j'ai pas entendu, il y a un problème? Avec Wushi, on est coordonnés, on sait très bien ce qu'on a à faire, mon pote. Et tu crois que t'es supérieur à nous parce que Makoso il t'aime bien? Vas-y, Wushi, piétine-le, piétine-le. Ah, piétine-le, piétine-le. Je pense qu'on va lui faire fin de popo. Laisse ton arme. Arrose pas qu'il est. Et puis vraiment, là pour, la, pour ce qu'il y a là, en fait, là pour le tarot du crack, c'est 20$. Normalement, là, le crack, ça part vraiment bien. Vous pouvez vous mettre vraiment bénef. Et disons qu'il y en a encore une petite quantité, cool. Et ça va quoi, Ben? Ça va, et vous? Tranquille. Hein. Ça va. Ben, le coffre, il est rempli, hein, comme d'habitude. Vas-y, le cousin, prends des scènes. Tu dis sur la Théo. Tu quoi? Quel est votre prix, messieurs? J'écoute. Je propose 5 000$. 5 000$. 5 000$. Oh, le maximum, hein. Je peux aller jusqu'à 4 005. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, mais moi, je dis 5 500. 5 500. Ouh, t'es fort en affaires. 3 005. J'accepte. Baiser toi, hein, je te vois derrière. T'es où? Ça, tu m'as baisé, t'es où? Je suis à ta droite. Vas-y, monte à la chop, la moto. Descends de la moto. Lève les mains, attends, je veux te fouiller avant. Tu veux me baiser, Yaolin? Ça met de la vie, là t'es ma mère, viens, on fait le coup. Tends-toi. Ok. Monte dans la caisse. Ah, dans le même break, mais non! Attends, là, tu veux me baiser, là? Non, je veux pas te baiser, je te baisse pas, là. Eh ben oui, bien, on prend la moto pour la bail. Mais j'ai pas envie de travailler pas bas haut, c'est un coup, mettre chaud et nous fume tous les deux, ça t'inquiète. Vas-y, toi, pilote, moi, tire si t'as pas confiance en moi. Yo, on peut pas drive pas bas haut, c'est pas possible. Mais on tire pas sur lui, on tire en l'air. On va à côté de lui. Il va où, là? Tu lui donnes rendez-vous, on fait comment? Non, aucun rendez-vous, on sait où ils sont, c'est un sinatome, les enquêteurs. Ah, mais on tire pas sur les autres cousins, on tire que sur bas haut tout seul. Je veux pas que les autres cousins soient témoins d'un drive by. Non, je drive pas bas haut tout seul, je drive pas bas. Ah oui, mais ce sera jamais tout seul. Si on lui dit isole-toi, va là-bas, là ça va être chelou. Alors que là on vient, on tire à côté de lui en l'air et on se barre et il va flipper. T'as pas une deuxième carte SIM ou quoi? Ah oui, c'est. Eh bah tu lui envoies un. Ah non, ça va être gris, tout le monde sait que c'est Menum. Ben non, celui-là il aura pas si tu prends une carte SIM jamais utilisée. T'as un casque? Ouais, mais il saura pas que c'est toi. Je fais pas ça pour ta famille, moi. Non, t'inquiète. Pas à côté de. Vas-y, mets ton casque. Ils sont stables. Attends, y'a Ho qui m'appelle. Elle peut pas lui faire confiance, c'est entre nous. Allo, Ho. Bao, il a volé un baiser, mon gars, je me suis barré là. Bao, il a volé une piétinée dans une ruelle. T'as réussi pour ton coup du snap. Il m'a menacé. Moi, j'ai réussi là, j'ai désactivé tous les notifs. Prends mes affaires, je me tire. Ouais. Maintenant, c'est fin beau pour les ténèbres, mon pote. J'ouvre mon propre business. Ah, tu parles trop bigot, ça cale. Y'a Ho, c'est une personne de confiance. Aïe, on peut pas être que tout seul, c'est pas possible. Non, t'aurais pas dit, mais non, là t'as fait de la merde. Moi, je veux pas le drive-by. Ah bah, je vais le faire tout seul, c'est... Non, si tu paniques, c'est... On va faire pire. Mais t'inquiète, on le touche pas, on tire en l'air. Mais où il sera avec nous, c'est pas grave. Mais il peut pas se masquer. C'est pas grave, moi, toi, je me masque pas, mon pote. Non, mais toi, en fait, t'es débile, je vais faire tout seul. C'est justement comme ça, il va avoir la pression, il va paniquer tout le temps, la famille va paniquer. Et nous, on sera pourquoi? Alors, faut que Ho, il amène à un endroit, là. Mais non, après, c'est Ho qui va être suspect. Mais non, c'est Ho, il amène un endroit. Zo, Ho, il sera jamais suspect, ma gueule, arrête. Ho, il va lui dire, mais on fait de vélo. C'est trop logique que ce soit Ho qui fasse ça. Mais non, assure, moi, mon cousin, il me dit, viens, on va là-bas, viens, je me fais tirer dessus. Regarde. Mais c'est gris, on aurait dû être que nous deux, la planète, c'est la merde. Tu vises à taper maintenant, moi, je vise pas taper maintenant, mon cousin. Oui, mais là, c'est pour lui mettre coup de pression. Et en plus, ça va peut-être faire annuler la cérémonie. Miao. Bienvenue dans le trio. Tu fais quoi là? Les cousins. Ouais. Je me démasque. Les cousins. Ouais. Du coup, là nous on se fait tous confiance, nous trois. Oh, tu fais confiance à Yao? Ouais, je le fais confiance. Hier il m'a sauvé, j'ai pas oublié. Moi je te fais confiance, Ho. Par contre, Yao, je te fais pas trop confiance, Yao. À tout moment, c'est toi qui me mets dans la merde. Ah non, c'est que le mec te mettrait jamais dans la merde. N'oublie pas ce qu'on a fait à Los Santos. Ouais. Du coup, les cousins, il faut qu'on tape fort ce soir contre le clan Bao Sen et les autres cousins. Mais il faut pourquoi que personne sache que c'est... Bao? Ah oui, il est avec Bao. Mais non, c'est pas possible, avec Bao, il y a Sen, il y a Song et il y a Tonton Wiggy.
Et en vrai, de... non, par contre, vraiment, hein, le cousin, vraiment, là, je parle sérieux. Si jamais ça sait, vraiment, il va nous fumer, maître Chou. Vraiment. Oui, mais personne ne le saura, il n'y a que nous, on le sait. S'il dit, mais c'est bizarre, vraiment, vous on étiez fait où quoi, là, là, on fait quoi, on fait quoi, mais, du mais, sang, mais là. Mais votre pastèque, où? Aïe. Ah, vas-y, amenez votre main, venez votre main, on doit mélanger le sang, là, c'est pas possible, là. Vas-y. Vous allez tirer sur des wozangs, bande de fous. Ah oui, mais personne ne va le savoir. C'est le deuxième tatouage de dragon, ça. On va se faire un tatouage après ça, là. On est les renégats, nous. Là, c'est ton devoir, là, ton devoir, là. Avec ma mère, hop, tiens, oh. Ah, tiens, y'a oh. Ah. Ouais. Ah, c'est celui qui parle maintenant, il va en enfer. La vie de ma mère, là, avec ça, là. C'est quoi, c'est magasin de vêtements, on va tirer? Ouais, magasin de vêtements. Vas-y, go, go, go. Vas-y. Quelle balance, là, la famille. Jamais ils vont dire, mais attends, mais c'est où que qu'on disait? Mais passe bien pour qu'on soit du côté droit. Et la Libye, c'est ouais, qu'on est en rendez-vous avec les 306. Et dès qu'ils nous appellent, on dit, arrêtez d'être relou, là. On n'entend pas le rendez-vous. Et par contre, faut dire un 306 qu'on est, qu'il fasse semblant. Non, mais on va aller les voir, on va aller devant ses œufs. Là, on tire et on va direct devant ses 306. Non, par contre, faut que personne sache qu'on a fait ça après. Hein. Et bon, non, mais on garde entre nous, c'est vraiment. On est des trop balles si on balance. Mais là, là, on tire et tu vas direction direct 306 en bas de ses œufs. Attends, parce que là, on va être sur la gauche, là. C'est bon, impec. Faut que tu... Ah, c'est bon. Comme c'est, ça. C'est au 306, comme c'est ça. Au 306. Mets point des A de 306, comme ça, après, je me speed, je vais là-bas. Et faut changer de voiture après, hein, tout de suite. Dites-moi quand c'est bon. Vas-y, go. Et on parle pas quand on tire. Attends, je tire où là? Oh non. Normalement, il est là-bas. Ouh! Ça le tente chaud quand même. Roule. Mais ils font quoi, eux de merde? Passe devant le resto, y'a pas de problème là. Ouh! Il faut que je passe de l'autre côté. Je vais tirer, voilà, je vais tirer. De toute façon, tire pas tant qu'il y a des flics, hein, tu vois. Ouh la dinguerie! Mais de toute façon, s'il n'y a pas les cousins magasin de vêtements, il va être chez nous. Bah ouais. On est passé devant le resto, il n'y avait personne. Change de véhicule, après, quand on aura tiré. Repasse devant le magasin. Ah, s'ils sont là. Ils sont dedans. Et bah où? C'est bon. Vas-y, on se casse. Mais attends, mais à quel moment tu me dis, vas-y, Yao, on le fait? Mais t'as pas vu, mais c'était le moment là, c'était le moment. Mais non, t'as vu. Bah oui, y'avait pas la police. Y'avait pas la police, y'avait rien là, fallait le faire maintenant là. Mais non, il fallait attendre, qu'ils sortent. Ça y est, là, ils ont chié, ils ont vas-y, va 306. Ouais, quelque part ça. Ouais, Yao, on vient de se faire pétarder, y'a 3 morts là. Quoi? Yao, il s'est pris 4 balles. Arrête de mentir. On l'amène à l'hôpital là. Arrête de mentir, enculé. Bah non, on se ment pas. Par qui? Bah Yao, il s'est fait tirer dessus. Par qui? C'est la merde. De quoi? On vient avec ton quartier là, on est en train de se faire tirer dessus là, ramène-toi hein. Par... Mais on va te faire bye. Mais par qui? On est en plein rendez-vous mais nous. Je sais pas, c'est des mecs masqués. Vas-y on arrive. Vous avez le casque. Tu veux quoi? Me dis pas on a touché Wiggy. J'ai un rendez-vous avec 306. Me dis pas on a touché Wiggy. Ouais. Me dites pas on a touché Wiggy sa mère. Me dites pas on a touché le clon. Oh ah ouais là. Bah démarre-toi mon pote, qu'est-ce que je te dise. Raconte, Y'a eu des gens touchés? Bah vas-y, bah je sais pas moi, je sais pas si j'en passe raconte, vite, c'est important. Vas-y, je dois raccrocher. Vas-y, à tout à l'heure. Du coup, on était nos 3, c'est les 306, ils voulaient des balles, mais on avait pas de balles. Il y a qui m'appelle sa mère. Ouais, écoutez, mais... les 306 voulaient des balles, mais on avait pas de balles. Allô, Matrochon. Ils sont là, les cousins. Nara, Matrochon. Ça va et toi? Ça, l'équipe de mecs dangereux. Nara, c'est ouais. Alors, Washington, canons, ça se conduit. Et c'est vrai l'histoire. C'est pas la pré 306. Ouais. Attends, y'a rien dans le coffre. Ouais. Bah, tu veux venir au mécano? Y'a les cérémonies, non? Je sais pas. Moi, je répare mon rebla. Et c'est vrai ce qu'il nous a dit, Song? Qui? Quoi? Non, je l'ai faux. Ah, c'est pas vrai. Vas-y, pas trop chaud, appelle Baro. Qu'est-ce que t'as dit? Je savais que c'est pas vrai. Pourquoi vous serez là en mode normal, vous en battez les couilles? VMS, c'est ce qu'il m'a dit, Song. En gros, Song, il m'a dit vous êtes fait drive-by. Ouais, c'est fait drive-by, ouais. Mais par qui? Par Washington, et 3 mecs dedans. Mais bizarrement, bon, hein. Quoi? Je sais pas, ton casque de moto. Il est répandu, c'est bien vendu, non, récemment, non? Tu te racontes?
Pas tranquille. Mais t'es bizarre toi. À quoi regarde ce qu'il y a que nous. C'est bizarre là. C'est toi t'es bizarre. Ouais mais pas eux. De quoi? Faire ça à sa voilà. Propre famille. Quelle ingénuité. Attends, je dois raccrocher. Ouais, abuse, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Mais imagine ce serait vraiment drive-by. Ils s'en battent les couilles, ils viennent dans mes canaux. Si on n'est pas là, ils dorment. Regarde-le, c'est un collègue, il est bourré. Ils viennent dans mes canaux, ils s'en battent les couilles. Eh oui? Oui, yao. Quoi? J'ai négocié, il n'y a pas la cérémonie. Yes. Mais c'est quoi cette histoire que vous êtes fait tirer dessus? C'est un mensonge pour pas annuler la pour annuler les cérémonies? Non, c'est vraiment fait. Mon Dieu, yao. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est un peu longue, ma chute. Ok. Ouais, on s'est fait tirer dessus au magasin de vêtements. Mais tout le monde s'est pas visé. Parce que là, c'est avec les autres couleurs. Ils sont en mécano, ils vivent leur meilleure vie. On me dit, c'est qui? Ça bat les couilles. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est une Washington foncée. Hein. Il y en a 15 000 en ville. Ah, mais la tête de ma mère, comment elle serait avec vous? La tête de ma mère, j'aurais pris un truc, serait venu. Oui, mais tu étais pas avec nous. En même temps, on faisait les vêtements de nous, donc je comprends. Mais bon, vas-y, à toute, là, il y a chaud. Revenez au resto. Ah oui, les 306, ils veulent 200 blancs. Venez au resto, il y a chaud. Ça marche, on est au mécano. Ok. À tous, bisous. Information qu'on n'a pas, petit enculé. Hein? Par rapport au drive-by. Tu racontes? Oui. Pourquoi alors quand je dis y'a Woogie qui s'est fait tirer dessus, tu m'as dit bah non il s'est pas fait tirer dessus? Parce que attends, toi tu me dis tu te fais tirer dessus, j'appelle lui, il s'en bat les couilles, j'appelle l'autre, il s'en bat les couilles. Non mais parce que demande à Sen, il s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles, donc c'est que c'est faux. Nio, je vais t'expliquer un truc. Je viens de péter un câble parce qu'en gros, on s'est fait tirer dessus. Là, moi, mon truc, c'était de mettre en sûreté la famille. Elle me dit quoi? Elle me dit, attends, garde ton magasin de vêtements, faut que je change ma tenue. C'est pour ça? Comment vous voulez qu'on vous croit? Oui. Tous les cousins s'en battent les couilles. Bah oui, mais tu vois bien qu'on a une famille de... Bon, voilà quoi. Viens, un pourcentage. Sans pitié, mon doc. Et la vie de ma mère, go. Ah. Oh, ils font le blocus. Putain, ils sont trop forts. Pourquoi il y a un taxi? Attends, tu peux te casquer? Non. Moi, je m'en bats les couilles, La meuf, là, me connaît. Ah oui, mais ils vont pas dire si les raisons. Oh, t'inquiète, au pire des cas, je me camoufle. J'ai toujours la clé. T'as toujours les clés? Ah oui, mais c'est pas ils sont. Oh là là. Ah oui, mais on est vraiment à saoul, hein, par contre, hein. C'est... Là, c'est... Et s'ils auraient des couilles, ça serait. Là, c'est vraiment... Moi, on me fait ça. Oh. Attends, là, si c'est bloqué. Attends, mais pourquoi ils bloquent partout? Tu peux encore faire le tour. Ah oui, donc vraiment, on leur suit dessus, quoi. Ah ouais, voilà, je vais me mettre comme ça. Ouais, les gars. Vas-y, reste comme ça. Ouais. Parce que avec cette voiture, personne sait que c'est nous, ça qui est trop bien. Ouais, t'as raison, t'inquiète. Putain, dommage qu'il la porte en moins. Attends, putain. Ils sont en train de faire quoi? Qu'ils ont tout bloqué partout? Mais je sais pas, ils sont en train de faire opération commando, qu'est-ce que j'en sais. Par contre, les camions blindés, il nous faudra un truc comme ça, nous. Donc, c'est pas un phaser qu'on est parti sur le bateau. Juste regarde pas tout, c'est loup. Vas-y, je regarde derrière, regarde devant. Mais depuis quand ils ont des latinos, doc? Si vous regardez les camions. Vas-y, on va regarder au Pendacas sur le guettage. Ouais. Ils ferment jamais, ils abusent aussi, frère. Voilà, ils abusent. Il arrive. Yao! T'es tenté! Lève tes mains, joué putain! Mets-toi contre le conteneur, hermano! Non, prénom, hermano! Julio! Julio, comment? Valdez! Tu viens d'où, joué putain? Viens de Maurice Tarit! C'est où ça, hermano? C'est côté est là, un peu plus haut. Tu es tout seul ou pas?
Si. Tu as une arme? Non, il y a un couteau. Je vais le poser, je vais le jeter par terre. C'est marre de tout ce qui est là, caputo. Travaille ici, hermano. Si. Tu es payé combien, hermano? Mieux suis payé, ça dépend combien je travaille, en fonction de mes disponibilités, mais... C'est qui ton patron? C'est Isaac. Isaac comment? Ben Simon. Escuchame, hermano. Tu vas rester comme ça, si. Tu vas pas bouger. Tu lui feras passer ce message. Comprendo? Si. Tu lui diras que la prochaine balle, elle est dans sa cabeza. T'as compris? Poquito dans la cabeza, puto! Si tu te retournes, je t'abats. Reste contre le conteneur, hijo de puta. Il faut se barrer. Ouais. T'as fait espagnol élevé donc, culé, ou c'est comment? Hey, yao. Eh oui. Ouais, on sait bon, on est prêt, on a tout ce qu'il faut là pour les 306. Ouais, bah, c'est quoi la pause? C'est pas, c'est toi qui a quel numéro, c'est même pas que ça. Oui, mais dites-moi la pause que vous allez à la 3 après moi j'appelle, je dis viens ici. On va où pour la pause? Ah, mais toi, viens sur le lieu, la dernière fois, ils nous ont fait attendre pendant 20 minutes. Non, mais quel lieu? Dis-moi, je leur dis venez, comme ça, ils se réparent. La vente de corail en haut. Kitchen Street au sud-est. C'est compliqué ça, la vente de corail sur le parking en haut. Vas-y, parking en haut de la vente de corail. Vas-y, je l'appelle. Bon. Fallait lui dire de la part du corbeau, non. Ah, c'est vrai, faut. Allô? Escucha, mi hijo de puta. Tu vas mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Si, hermano. Je vais attraper ouais, tout le monde et je vais tous vous fumer, mon déjà de putain. Ah, moi aussi, faut que j'apprenne à faire comme ça. Ma mère, tu vas rien faire, arrête, t'as pris le téléphone à Yao, tu je te pète. Il est mort, il est mort. Il est mort? Eh oui, il est mort, la con de t'es mort. La con de mes morts? Mais toi, je vais te baiser ta mère, comment tu parles? Eh, tu parles à qui? Eh, rends-moi mon téléphone, aïe, attends. Aïe, lâche-moi, enculé. Aïe, coto. Elle est pas morte. Coto. Ah oui, c'est que téléphone. Wesh. C'est bon, tu l'as tué? Sa grand-mère se vient de planter un latino. Ouah, non, t'es une moula, mon gars, ça fait plaisir. Et du coup, la transaction, elle est prête. Vite, en haut du parking, comme d'hab. En dernier étage, comme d'hab. Eh oui. Tu vas enculer. À quoi c'est en train de boire, enculé? Oui, à 24, t'es là. Ah oui. Ça y est, évolue un peu. Vas-y, viens les bacs. Non mais c'est pas... C'est ça, non. C'est bon. Allez. En vrai, j'aurais de manger un burger que... Pas mal. Allez, mec, il nous est arrivé des dingueries. Pas mal. Ouais, je vais prendre ça, je crois. Accessoirement, les mecs, au cas où. Accessoirement, on a pris en otage des mecs du doc. Accessoirement. Ouais. Ah ouais, pourquoi ça fait ça? Par contre, c'est qu'on a failli se faire péter, hein? Non. Bah, si, t'as vu, quand on est sorti, il y avait un autre véhicule de chez eux qui est rentré. Ah oui, mais c'est des trucs de mal, ils sont pas à la fin. Oui, bah après, oui, ça c'est sûr. De toute façon, il avait qu'un couteau, il allait faire quoi? Non, mais les quatre autres dans la voiture, je crois pas que c'est avec des couteaux. C'est pas, mais c'est des endormis. Ouais. Un truc, ils ont rien fermé encore. Ah ouais, les camions, vous avez pris des trucs? Non, après, non, tu connais. Bah non. Bon, je vais pisser dans le fleuve. Ah ouais, putain, t'as un bosé hein, quand même. Et débile, regarde pas. Mon monte sur le trottoir, comment tu veux pisser dans le fleuve? Non, moi je te fais pas confiance. Oh là là. Attends, vas-y, je pisse. Hop là. Elle se fait laver dans. Et là, lui, je le suis... Fils de pute. Je t'ai vu arriver en killer, va. Moi, je trouve c'est un fait. Allo. Ouais. Merci beaucoup, Verbutok, pour l'abonnement à Enote. Yo, les man, tranquille. Ah, putain, c'est vous. Ah, ouais, c'est nous. Ouais, bah oui, c'est nous. Ah, putain, quoi, c'était les latinos que j'ai fumé tout à l'heure qui sont revenus en équipe. Ah, non, tu les as fumés, tu m'as dit. Oui, mais j'ai pas fumé toute la famille. Ah, ok. Non, bah tranquille, on les a pas croisés, tout va bien. Du coup, les cousins, vas-y, donnez-leur la cam. Hein. Ouais. Vas-y. Je file un kilo zé, les gars. À moi. Vas-y. Ah, c'est une salope qui me l'a votre coffre. Ça se passe, vous, le business, là, sinon, pas de galère, T'as quoi, tu te mêles? T'es de la police, enculé?
Je suis de la police de la rue, je veux savoir. Tu peux mettre dans le coffre là-bas. Mais par contre, 200 non, à 2, ça va être compliqué. J'en donnais. Bah non, tu mets dans le coffre. Attends. Ouais, là, c'est dans le coffre, les gars. Ok, tu as la place dans boîte à gants. Ah, mais boîte à gants. Ouais, attends, je vais foutre dans la boîte à gants le reste. Et vous, ça se passe, Legend? Eh, mon gars, ça se passe quand même. Nous, ça va super, hein. Pro m'a dit ça vous a ziflé il y a pas longtemps. Ouais, mais ça, tu connais, c'est les gens, ils aiment bien dire ça alors qu'on leur baise leur merde la semaine. Ok, attends, il y en a. Et le week-end, ils vous ziflent? Bah, le week-end, non, hein, pas vraiment. Ah, d'accord, c'est quoi les voyous, les voyous de la rue? Attends. Hein? Les voyous de la rue, c'est qui? Les voyous de la rue, mon gars, c'est tout le monde, hein. Il y en a pas plus que d'autres, hein. Et tu peux prendre. Le four est ouvert. C'est bon? Ouais, je crois qu'on a tout là, normalement. Alors, comptez quand même, vous avez? T'as combien dans le coffre, là? 10, là, à l'avant, il y en a... Ça fait 100. Normalement, ils ont tous sur eux. J'en ai 60 sur moi. 140, c'est bon. 60, c'est bon. C'est carré, c'est bon, c'est ça. Vas-y, les mecs, j'ai un plaisir de bosser avec vous. Les mecs. Je les appelle s'il y a des... Les gars. Ouais, ça marche, les mecs. N'hésite pas. Même si t'as besoin de trucs, hein, qu'on chope un bug ou quoi, tu me dis. Vas-y, allô, vas-y. Soupez-moi un set des croissants 6. Ouais. La chaîne qui attend avec le Pounder, il est sur position comme on attend d'habitude pour transaction. On part des docks, mon frère, on arrive. Ah putain, t'es long, hein. Quoi? Okay. T'es long? Ça, je suis long. Attends. T'es long comme ma bête. Ils arrivent, ils m'ont dit. Vas-y. Est-ce qu'il arrive le camion? Deux camions en fait. On en a 300, comme ça on gardera 100 pour les Wu. Voilà. Nous, on va en avoir. Donc ça arrive. Mais c'est quoi tous ces camions? Bah du coup, c'était pas les Pounder qu'on avait vu tout à l'heure, hein? Non. C'est sûr qu'on va te pouvoir mettre dans un Pounder? Attention qu'il n'y ait pas du monde à l'arrière de ça. Imaginez quoi qu'elle tape, trop bien. Ouais, ça arrive sur pause, on arrive derrière. Ah putain, mais quel beau gosse. Quelle beauté. Mon frère, on a pris une mille, on a pris un Pounder, nous. Moi j'en ai encore 3 qui arrivent là, des Pounder. Combien? Attends. 2. Yao, sur la Toto, je pensais que t'avais un entrepôt ici, mon frère. T'as ramené tout le matos. Yao, y a 6 camions, mon frère. Y'a 3 mules, y'a 3 Pounder comme ça qui arrivent et y'a des allers-retours qui vont être faits. Parle-nous en poids. En poids, il y a 3 Pounder remplis, il y a ça encore 2 fois. C'est bon, ça passe. Tu vas juste passer les Pounder. Allez, dans le Pounder, les mecs, dans le Pounder. Ouais, dans le Pounder. Ça marche, parti. On va tout mettre ce qu'on peut dans notre Pounder et après on prendra les tiens, on les ramènera. Vous mieux, pas, mon frère. Comment ça, tu peux pas, tu passes les clés, tu ramènes les clés? Ouais, moi je peux pas, moi c'est mes livres réduits, je peux pas, moi j'ai déjà mis. Ouais, mais il a 3 Pounder qui arrivent, plus 3000. Non, mais Yao, au pire, c'est ce qu'on fait, mon frère, on jettera tout par terre ici, tu feras des allers-retours, mon frère. Ah oui, t'inquiète, je peux pas casser mes camions. Non, tu peux nous lâcher les clés de la cour, on va faire allers-retours, je vais chercher mes. Tiens. Trempeur. C'est impeccable. Ouais, c'est l'ours à grand-mère, frère. C'est l'ours à grand-mère. Y'a un qui est vide, man. Allez, David, c'est bon, un peck. Ah oui. Bah, yo. Ah oui. Poudre noire, normalement c'est 3$, je te la fais 2$ parce que je t'aime bien, t'es grave gentil avec moi et tout, ok. Et bout de métaux, 3$ pareil, je te l'ai fait à 2, ok. C'est dans combien tout? Là, pour la livraison de ce soir, il y a 2 tonnes de chaque, donc ça fait 4 tonnes, ça fait 8K pour ce soir. 8K pour ce soir et demain, tu me dois 4K pour les 2 tonnes qui restent. Vas-y, tiens, c'était mes 9000. Tiens, 9000 pour boire 2000$ parce que vous êtes des bons. Vas-y, je vais l'aider les autres. Il aime trop l'argent, cet enfoiré. Et c'est bon, c'est fini. Enfin, bravo. C'est parti. Il reste encore de la place au resto. On n'a pas mis resto, on a mis appartement. Parce que si on met au resto, là, Oncle Live va péter les points, il va jamais ouvrir
le restaurant. Mais ça change rien. Bon, la dernière fois, c'est pour ça qu'ils voulaient pas ouvrir, hein. C'est parce qu'il y avait des trucs. Non, non, c'est... Alors cette excuse, c'est jamais je l'ai entendu. Je te jure, il m'avait dit ça. Mais ça, c'est l'excuse. Ouais, tu penses que c'est pour... Ah bah oui. Parce qu'il a la flemme, en fait. Bah oui. Il veut pas ouvrir parce qu'il y avait des trucs en haut qui n'ont rien à voir avec le resto, mais c'est n'importe quoi. Enfin, frère. On a eu la visite d'un policier de petite taille. Ah oui? Ah oui. Du coup? Je sais pas, c'est Baro qui a parlé avec lui. Il fait un popo. Un policier de petite taille. Une nouvelle. Ah oui? Monsieur, on se met sur le bas-côté? Monsieur? Ah oui, monsieur? Il me casse les couilles, lui! Mais qu'est-ce qu'il fait avec une voiture de Schmitt? Attendez, jure, ils lui ont fait une tenue! Bonsoir. Agent 0,5. Vous savez pourquoi on vous contrôle? Ah non, pas du tout. Vous avez fait une marche arrière sur l'avenue là. Ah mais en même temps, monsieur, c'est bien blessé. Comment vous voulez que je sorte de... avec un pendeur? Bah, vous auriez dû passer par ici. Mais comment avec un pendeur, monsieur? Regardez. Est-ce que vous avez la vision quand vous faites une marche arrière? Ben oui. Vous auriez dû vous mettre autrement. Quel est ce camion? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez un casque de moto sur la tête? Parce que c'est un masque. C'est parce que comme ça, je crains pas les produits toxiques. Vous arrivez à vous balader des produits toxiques? Ben oui, c'est un travail, monsieur. Auriez-vous la mobilité d'enlever votre masque et permis de conduire plus... Vous pouvez m'aider pour le masque, vite fait. Oui, attendez. Merci beaucoup, monsieur. Quoi? Ah, mais c'est toi! Mais oui, je me dis, mais il m'a pas reconnu, l'enculé! Mais non! T'as un masque, espèce de con, va! T'as vu, c'est moi! Je suis devenu policier! Mais qu'est-ce que t'as fait policier, toi? Bah. Tu vois, quand t'as des idées, des plans, des choses que tu fais, oui. Le but c'est d'aller où? Je suis carrément dans le nid de l'ennemi! Comme ça, les soupçons. Ils sont pas sur moi! Mais attends, ils t'ont recruté? Oui, je suis passé stagiaire aujourd'hui. Je suis matriculé 0,5. Un 0,5? Oui, parce que un matricule entier c'était trop gros pour moi, trop grand. Attends, le commissaire il m'a donné ça. Mais attends, il te laisse conduire. Chouf, chouf, la tenue, chouf, chouf. Je vais te montrer un autre truc. Là, t'es la mère propre, la tenue. Ouais. J'ai une casquette aussi, mais je l'ai pas mise là. Attends, mais il te manque des dents. Ils m'ont donné une matraque, mais c'est trop grand. Regarde, on dirait un aveugle qui cherche son chemin. Ah non, mais pour toi, c'est pas une matraque, c'est une perce. Mais oui, c'est un aveugle, regarde. Elle fait du sol à la perce avec. Ouais, ou je vais à la pêche. Ils m'ont donné ça et un taser, et demain j'aurai mon pistolet. Ça va pas? Tu fais quoi là? En fait, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils vont me foutre à te mettre au flic? Quoi? Ah, c'est pas t'enfoncer, hein? Non, vas-y, sois. Tu es un ami, je crois que l'honnêteté entre nous doit être là. Dis. Oui, mais c'est pas pour t'enfoncer. Non, pleure pas. Pleure pas, surtout. Non, allez, viens, Calin, viens. Allez, viens, mon petit. Ah non, mais il faut pas que tu pleures, tu mon petit. Tu sens beau, la bouffe. Eh oui. Wago. Oui. Tu veux un truc à manger? T'as quoi? Tu veux un truc? Ouais, mais t'as quoi? J'ai rien. T'as rien? Oui, mais comme ça, au moins, tu dis que je t'ai proposé, que c'est un mec bien. Ah oui, d'accord. C'est comme... Vous voulez un coup de main? Oui. Ah ben, au revoir. Un peu. Ça. Ok. Bon, qu'est-ce que tu fais avec ce camion? Ah ben, mais je fais mon travail, je travaille pour les docks. Pour les quoi? Les docks. Comme Aznavour? Sur les docks! Nanana, nanana. Ah non, nanana. Comme un travailleur qui travaille dans le port là-bas. Mais tu travailles pas au restaurant? Pourquoi tu travailles au port? C'est parce que ça rapporte mieux. Le resto il est fermé en ce moment. Pourquoi il est fermé? Elle a eu un malentendu. C'est-à-dire? Avec un malotru. Malotru? Ah oui.
qu'on est venu emmerder ton restaurant. Tu veux que j'intervienne, je protège. Non, t'inquiète, t'as sali pas les mains, t'as vu. Vraiment que c'est nous à sali les mains, ça cale. D'accord, bon, fais attention à toi. Tu veux que je t'escorte? Ah non, ça va aller, t'inquiète. Bon, allez, à bientôt. Bonne soirée à toi. À plus, bisous. Fais attention à toi, le petit. Oui, ça va, j'ai un 0,5. Salut. En fait, tu peux t'appeler 50 Cent. 50 Cent? Je ressemble pas à 50 Cent. Ah oui, mais c'est la moitié de 1$. Et toi, vu que t'es la moitié d'un matricule, ben 50 Cent. Si ça peut te faire plaisir. Tu veux que je te parle bonheur? Ah oui. Touche mon crâne au-dessus et tu tapotes. Ah oui, c'est assez cool. Oui, alors c'est un peu vite à l'intérieur. Ah ben... Allez, bonne soirée à toi, Yagou. Petit cerveau. Hein. Salut, Yagou. À plus, le petit.